6h-9h. Good morning, Safran. T'aimes-jeu. Il y a quelqu'un à la porte du cabinet de Doc Gynéco. Et donc, tu vas passer en mode consultation, mon cher Doc Gynéco. Bah non. Et il y a une première question. Ce sont un peu les perles hein, qu'on a trouvées sur Doctissimo. C'est parti. Première question pour le Doc en consultation. Bonjour docteur. Je suis enceinte de 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-il tomber enceinte si je fais l'amour? Mon docteur m'a certifié que non, mais je le crois pas à 100%. What the fuck? Mon bébé peut-il tomber enceinte si je fais l'amour? Ah non, en fait, est-ce que tu... Oui, tu peux continuer à avoir des rapports sexuels. Jusqu'à la dernière minute. Bonjour docteur, depuis quelques temps je suis confrontée à un problème de taille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être attirée par mon chien. C'est horrible. Mais je ne vous cache pas que quand il boit dans sa gamelle, bah j'aimerais bien que sa langue touche autre chose. Suis-je normale? Mais oui, ce n'est rien. C'est de la zoophilie. C'est un début de zoophilie. Je te conseille de prendre... On les a pas inventés. Hein. Ça, c'est des classiques, les questions classiques du site. Je te conseille de prendre un peu de comment ça s'appelle, ce truc-là? Je sais pas, Royal Canin. Royal Canin. Quitté 4, j'ai tous les pédigrés. J'ai tous les pédigrés. Comment tu dis? Je sais pas, du tout. Un peu de quitter 4, ça va s'arranger. Autre question. Bonjour à tous, voilà mon problème. Depuis peu, je suis très attirée par la manette de PlayStation de mon fils et je m'en sers pour avoir un rapport car elle vibre. Et je veux pas qu'on me juge, mais j'ai peur de la réaction de mon mari et j'ai peur que mon fils remarque mon activité. Comment faire, docteur? Faut tout nettoyer après. Après, il y a FIFA, donc il faut nettoyer quand même. C'est freudien tout ça. C'est les formes, tout ça. Ce sont de vraies questions que les gens. T'es une phallicienne. Que les gens se posent en Doctissimo. Encore une phallucienne. Bonjour, je suis handicapé. Physiquement parlant, je suis myope et j'ai une calvitie. Et j'ai aussi un léger bégaiement. Ceux qui me respectent le font par compassion. J'ai envie hein, d'approcher les filles. Hein. Je ne veux pas finir ma vie sans avoir de relations sexuelles avec les femmes. Hmm. Je ne sais plus quoi faire, docteur. Paye. Le bon coin. Il y a aussi... après les questions, les perles de Doctissimo, on a aussi deux anonymes hein, qui ont profité de l'occasion et de cette consultation pour te poser des questions. Bonjour docteur, je suis animatrice dans une matinale radio et après une soirée un peu arrosée, j'ai dérapé avec deux collègues. Je crois qu'ils n'étaient pas top niveau hygiène parce que depuis cette nuit, bah, j'ai des mycoses. Quel est votre diagnostic? Qu'est-ce que je peux dire à mes collègues? On avait dit qu'on en parlait pas. Ne leur dis rien, je sais pas parce que je suis gêné parce qu'ils sont aux côtés de moi. Je sais pas quoi te dire. Le docteur est embêté. C'est des potes à moi. Ah mais tu sais avant. C'est nos gars pas très propres. Et puis on a une dernière question d'un de ces anonymes. Bonjour docteur, je suis stagiaire dans une émission de radio et pour mon bizutage, ils m'ont obligé à faire des choses avec un micro et depuis ça va pas très bien. Et je voulais savoir si je me fais harceler ou comment je peux faire pour leur dire stop. C'est le bizutage du move, hein. On n'entre pas comme ça ici facilement, c'est pire que l'ENA. Vous écoutez Move. Move.